Mèdames et mèsyè, frèze chèr, zanmè nou yò, mwen salye nou, nou tout ki fè pati goup zilè, ki an chajè pou preche l'évangil, an chajè pou ke nou kapab socialize nou, an chajè pou ke nou kapab euh, mètrize fran nou dan lè seyè. Mwen salye nou d'youn manyen patikulyèr, zè frè mòk Antoine Pouspère ki ansama vèk ou. nan mouman sa pou ke nou kapable etudi ansanm la leson de l'ekol du sabat. Se pou bon Dieu meni chakèn de nou. Nou diyon mèsi Seigneur pou se mouman favorable ou permèt nou e aborde la leson de l'ekol du sabat pou ke nou kapable chèche nouritio pou nanm nou. Tan pri, ke l'espo impregne nou, ke l'espo ansegne nou nan leson sa Seigneur. Pardonnez-nous de péché nous, au nom de Jésus, en prière. Amen. Pabli, frères et sœurs, pendant ce matin, on a étudié une très belle leçon. Une très belle leçon qui vient pour titre Une louange sans fin. Hein? Une louange sans fin. Et je dis à ce, ce mercredi, toutes euh, leçon est bien centrée pour dire que raconter sa gloire parmi Le nasyon. Rakonte sa gloa pami le nasyon. E, nou tout ki anba tuter de Diyo, nou gen yon responsabilite pou ke nou kapab proklame nomon Diyo pami tol monde, pami tout le nasyon. Nou gen yon responsabilite ensi pou nou fè sa, e, che zami. Eh, rakonti sa gloar, mervey li yo, grandeli parmi les ot nasyon, nou gen yon tip de responsabilite pou ki nou kapab fe sa fresecheur. E, eh, sa ki fe tout le son apandan, e, eh, jounen mè ko yon diya, se soum 96. Soum 96, bayan, Pile en pile description de l'adoration. Et nous créer, mesdames et messieurs, pour que nous soyons capables d'adorer mon Dieu en esprit et en vérité. C'est la raison d'être de notre création. De notre existence, c'est pour que nous soyons capables d'adorer mon Dieu. Les nouvelles adoration mesdames et messieurs, et Komanouel, les anj, tout sa yap fè nasye la se adoré mon Diyo bay glo alou anj. Nou zotre, humè, ka vil sou te a ki aksepte Jésus kom sove personel nou, ki aksepte Diyo kom kreatè nou akrave Jésus-Kri, nou gen responsabilite pou ke nou kapab adoré mon Diyo. Adoré mon Diyo se bay respek elmevi te a. Adorer mon Dieu, c'est dit que ou inférieur à le créateur. Adorer mon Dieu, mesdames et messieurs. C'est chanter pour mon Dieu. Ok? Adorer mon Dieu, c'est chanter. Ou som en somme 96, a un pile, un pile description qui montre comment. Nou dwe adore bon Diyo, nou dwe loure nou bon Diyo. Se bie malere, loun moun vin l'Eglise, yo di l'kampè pou l'chante epi l'chitay pa remouve bouch li. Se bie malere, yon moun vin l'Eglise, li kite lakay li pou vin nan temp pou vin renkontre bon Diyo. Ebyen, yo di l mette a genou, yon pap mette a genou. Tout moun apriye li, yon pap priye. Ils sont venus chercher. Adorer, bon Dieu, mesdames et messieurs, c'est proclamer bonté, c'est proclamer grandeur, bon Dieu, c'est adorer, bon Dieu. <laughs> Frères et sœurs, pendant que nous à l'église là, nous une responsabilité pour que nous sommes capables d'être dans en des temples C'est adorer, bon Dieu. En plus de tout aspect, ça, que nous baillons là, frères et sœurs, qui est très familier de l'adoration. Eh bien, adorer mon Dieu, frères et sœurs, les souligner, a ont l'autre bagaille. Au niveau des sacrés évangéliques, c'est l'autre aspect de l'adoration de Dieu. Pour la proclamer, royaume de bon Dieu, qui vient pour venir à les autres peuples. C'est justement l'adoration. Mais quand on dit le chant, quand on dit la louange, le fait que nous portons des en étant bon Dieu, c'est proclamer, la proclamer l'évangile. Ça n'est pas séparé. De toute description, nous sommes bâillés avant haut. L'adoration de Dieu, frères et sœurs, c'est tout un package. C'est tout un package. Alors, l'expression de l'adoration, frères et sœurs, ça montre un respect pour Dieu que personne n'a mérité. Pas de monde qui méritait adoration, C'est ça qu'il faut. Il y a des gens qui ont un problème avec Jésus parce que dit que c'est Dieu et ils adorent mon Dieu, ils adorent Jésus. Il y a des gens qui ont un problème avec ça. Mais là où est la proclamation du salut de Dieu à tout monde, à toute nation? Ça baille en substance, mesdames et messieurs, à la louange. Et en don adoration c'est ça qui tout est tout contenu. C'est ça qui est tout contenu. Parce que, mon Dieu grand, toute l'autre nation a adoré faux Dieu. Mais nous qui croyons en Jésus-Christ, nous devons adorer le dieu monothéisme. Le Dieu seul qui méritait adoration. Pour qui ça, frères et sœurs, bon Dieu méritait adoration. C'est lui-même qui fait le ciel, l'éternel, lui régnait pour tout temps et temps. Eh bien, il méritait adoration. Que Paul vient juger la terre. Bon Dieu méritait adoration. Raison d'être de l'évangélisation même, c'est justement pour nous, pour que nous capables d'unir les autres nations avec le peuple de Dieu. Et en définitive, nous capables de toute la création dans l'adoration du Seigneur, toute l'adoration, toute la création, lui même lui trouver. Dans l'adoration du Seigneur. Le Créateur, il méritait d'adorer, frère et soeur. Mais des l'adoration, c'est une bagaille qui découlait, qui versait toute la reconnaissance intérieure de monde. Pour dire qui est Seigneur, pour dire qui est mon Dieu. Hein? C'est l'adoration. C'est-à-dire le Créateur, le Roi des rois, le Seigneur des Seigneurs et les juges. Ça veut dire les mêmes seuls qui méritent l'adoration. L'adoration impliquait donc pour que nous soyons capables de songer toute action, tout acte, bon Dieu posé dans le passé pour nous célébrer merveilleux. Et ça va faire là pour nous célébrer Bon Dieu c'est lui-même qui soutient le monde Il mérite l'adoration, il mérite l'orange Et rien actuellement Ça ben nous garantit Son Dieu qui mérite l'adoration Et justement pour nous anticiper Toute action pour le faire Comme Vigno, Nous anticiper yo. Nous avons le jugement scatologique dans le dernier temps, frères et sœurs. Une nouvelle vie dans de nouveaux cieux et de nouvelles terres. Nous devons célébrer ça, nous devons anticiper ça. Mais nous dans les sommes, nous avons le jugement, lui même qui signifie la restauration de l'autre divin. Eh bien, puisque l'autre bon Dieu a été brique, puisque l'autre bon Dieu a, mesdames et messieurs, les hommes t'es passé outre et note de paix, et notre de justice et de bien-être dans un monde pour le moment qui est tourmenté par le jugement de Dieu. Et bien, frère, ce soir, c'est pour nous veiller qu'on nous. Veiller qu'on nous, le fait que le Seigneur lui-même, c'est un juste qui juge, c'est un juste qui juste, les parguins faute. Il n'y a pas de la de la frères et sœurs. Il doit motiver tout le monde pour que nous soyons capables d'adorer avec sainteté. Et c'est pour nous trembler devant le Seigneur. Et ça doit mettre nous, en garde contre le risque que nous soyons capables de prendre. Nous prend l'adoration à la légère. Avait dit, venez l'église pour nous prendre l'adoration à la légère. C'est une plus gros que nous capables de faire. L'adoration implique une joie, une confiance qui est très grande, qui est très immense d'une part. Et d'autre part, une crainte, un éveillement qui est saint. Nous devons adorer mon Dieu en esprit et en vérité. Nous devons prendre mon Dieu pour s'allier à Frère C'est un appel universel qui fait dans Somme 96 pour que nous sommes capables d'adorer les créateurs et juge les mêmes qui reflétaient dans la proclamation évangélique finale de Dieu pour le monde, tel que le message des trois anges d'Apocalypse 14, verset 1 à 12. Qui y a un plan là-dedans. Somme ça sommes son somme qui som som intègre le message, trois anges là, pour la fin des temps. Somme 96. Création du salut. N'abgade évangile éternel dans Apocalypse 14. Adoration et jugement. Tout ça y en dans Apocalypse 14. Tout ça en en dans Somme 96. Frère et pour un bon Dieu pour s'allier. C'est respecter mon Dieu, c'est faire salement fin. Et bâille, ça mon Dieu mérite. C'est comme ça qu'on est capable de raconter gloire au bon Dieu parmi les autres nations. C'est pour bon Dieu bénis nous. C'est déjà frère Marc-Antoine Prosper. Bonne journée.